Alors, moi, j'ai trouvé ça fascinant et je vais en profiter pour te poser une question. On a déjà une question dans le chat pour Elsa, mais puisque tu es là, j'en profite. En fait, ce qui m'échappe complètement, c'est comment tu finances tout ça. Enfin, Ah oui, tu ben factures justement. à l'heure, Ah alors, oui. c'est une Oui. question qui ne me ressemble pas du tout parce que ce n'est pas tellement l'argent en général qui m'intéresse, mais en fait, je me Non, c'est dis, important. t'as ton... tu sais jamais combien de temps ça va te prendre. Tout à fait, tu peux te faire piéger. Tu peux te faire piéger très, très facilement. Bon, en même temps, bon, c'est des projets dans lesquels il y a des lignes de communication, il y a des lignes. Alors bon, des fois c'est un peu rigide. Faut aller quand il y a des extras, faut aller trouver une ligne budgétaire ailleurs, etc. Mais bon, ce qui est clair, c'est que il y a des lignes budgétaires allouées. Puis plus on travaille avec les gens, alors évidemment, il y a un peu de sacrifice à faire au départ. Ce que j'ai fait, bah, par exemple pour l'OMS, là, je fais un énorme sacrifice. Bon, ça fait partie du jeu, mais il y a un sacrifice à faire au départ. Mais une fois que les gens comprennent ce que tu fais et comment tu es en train de le faire, bah, sur le prochain projet, il y a en amont de la conception du projet, en fait, une ligne qui est plus importante et qui est allouée à ça. Voilà, puis voilà, il y a toujours des arrangements, mais je pense aussi que, bah, des fois, des fois, on se retrouve avec des choses qui sont un peu surpayé, donc ce qui est pas mal. Et puis des fois, on se retrouve à faire des efforts. Je crois que c'est le lot de tout le monde aussi, quoi, Ouais. de son client, des fois. Faut pas qu'il abuse, mais. Non, mais c'est très intéressant. Alors, je me fais du coup le Mais relais. surtout, juste par Pardon. rapport au financement, pour moi, c'était une. Quand j'ai mis le pied là-dedans, je me suis rendu compte que je pouvais vraiment avoir un moyen de creuser ce que je voulais creuser avec des opportunités de financement qui n'existaient pas forcément ailleurs. Non. Ok. Ah non, c'est très intéressant. Alors, donc, une question pour Elsa. Je la lis. Mais tu l'as peut-être déjà vu. Vous déclinez donc un sujet en fonction du réseau social et de la cible. Vous ne sélectionnez pas vos sujets en fonction de la cible du réseau. Alors en théorie non, parce que l'intérêt pour nous c'est vraiment de pouvoir être présent le plus possible sur toutes les plateformes qui existent pour toucher le plus de gens possible avec le moins de temps de travail possible. C'est-à-dire que si on faisait à chaque fois un sujet pour chaque plateforme, ce serait un peu plus long. Dans ce qui concerne la cible. Donc ça, c'est la théorie. Après, dans les faits, sur TikTok, par exemple, on sait que c'est une population plus jeune et du coup, TikTok marche aussi avec des musiques qui sont en train, avec des challenges. Donc, on va aussi un petit peu essayer de s'adapter à s'adapter à ça. De là à dire que c'est vraiment la cible du réseau, bon, on fait des sujets qui sont un peu plus dans le format est différent. Après, le fond du sujet, on va essayer de l'adapter pour tous. Ce qui est vrai, par contre, c'est qu'on sait très bien qu'il y a des sujets qui sont beaucoup plus porteurs que d'autres en fonction de telle ou telle plateforme. Mais de façon générale, par exemple, les sujets qui sont les plus porteurs, ça va être... Typiquement, là, vous avez vu le portrait d'une femme un peu oubliée. Ça, c'est des choses qui sont très porteuses, les questions féministes en général, tout ce qui a trait à l'écologie. Et on sait que ce sont souvent plutôt les jeunes qui vont porter et partager ces vidéos-là. Après, nous, des fois, on va cibler, mais là, ce n'est pas en fonction du réseau, mais on va cibler les jeunes. Par exemple, pendant les révisions du bac, on va faire des sujets sur les dessous du manuscrit des Fleurs du Mal ou d'autres thématiques qui sont en programme de révision. Donc, ça nous arrive parfois de cibler plus spécifiquement tel ou tel public, mais c'est assez rare. L'idée, c'est vraiment de pouvoir s'adresser au plus de monde possible et du coup d'adapter le format et pas tant le fond. Alors, en attendant que... Alors, à partir de maintenant, vous êtes tous libres d'ouvrir votre micro et de leur poser des questions. Mais en attendant que vous manifestiez... Ah, bah, allez-y, je ne vous vois pas tous présents. Voilà.
me demander, mais est-ce que des fois, c'est pas un peu difficile parce que, par exemple, Facebook, on voit qu'il y a quand même beaucoup de personnes vieilles en général, par exemple. Même s'il y a des jeunes, il y a quand même une grande majorité de personnes plus âgées. Et par exemple, TikTok, c'est vraiment des personnes super jeunes. Donc, est-ce que c'est vrai que ça peut être difficile, par exemple, sur un sujet, ça pourrait toucher que ça pourrait toucher que Facebook ou que TikTok. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que vous faites face à ce problème? Bah, en fait, du coup, ce qu'on fait, nous, c'est que dans notre rythme de production, on produit tous les jours une vidéo pour Facebook. Après, y a pas... là, je vous ai montré un format qui est celui du portrait. On a d'autres formats, d'autres collections de vidéos où des fois, ça va être un format débattez-vous, où on fait appel à un philosophe, à quelqu'un qui va nous défendre une idée. Enfin, on a plein d'autres formats qui sont différents. Et bon, j'ai perdu le fil de ce que je voulais vous dire. Oui, donc en fait... on a une base de travail qui est une diffusion par jour sur Facebook. Et après, à partir de là, on voit qu'est-ce qui est déclinable ou pas. On ne peut pas décliner toute notre production Facebook sur TikTok. Évidemment, on choisit celles qui sont le plus porteuses ou celles où on sent qu'il peut y avoir un appétit pour ça chez les jeunes. Et en même temps, notre idée, c'est de diffuser du savoir aussi. Donc, même si on sent que c'est un sujet qui est complètement, qui a priori ne touche pas les jeunes, notre travail, c'est aussi de pouvoir les intéresser à tout, de pouvoir... le but ultime, c'est d'éveiller un petit truc, une petite étincelle, de leur donner envie de se renseigner sur tel ou tel sujet, d'approfondir leur connaissance, d'approfondir leur savoir. Donc, on essaye de se limiter le moins possible. Après, on sait des fois on a des surprises, hein. Des fois on se lance dans un sujet, on se dit que ça va super bien marcher et pas du tout et inversement. Mais il y a des fois aussi où on sait que tel sujet est très porteur et on le fait exprès parce qu'on sait que c'est un sujet qui va être porteur. Par exemple, on a souvent quand on publie quelque chose, il y a une statue qui s'appelle la Vierge voilée qui est une statue un buste de femme avec un voile dessus qui a l'air transparent en fait et qui est extrêmement bien fait. C'est fait par Giovanni Strazza qui était un sculpteur italien. Bon, ben, on sait que dès qu'il y a une photo là-dessus sur les réseaux sociaux, ça marche incroyablement bien. Les gens sont là, waouh, c'est trop beau, qu'est-ce que c'est et tout. Et donc, du coup, on a fait un sujet exprès là-dessus parce qu'on sait que c'est porteur. Mais bon, c'est toujours un équilibre entre les deux, quoi. Moi, j'ai une question pour toi, Elsa. Si personne. Est-ce que quand ça fonctionne sur un des réseaux sociaux, ça fonctionne sur tous ou pas? Non, pas forcément. Parce que comme tu l'as dit, excuse-moi, je n'ai pas retenu ton prénom, Jeanne, je crois, tout à l'heure sur l'action d'avant, les publics sont très différents. Et donc, effectivement, sur Facebook, c'est un peu plus un public plus âgé. Et il y a des choses qui vont plus ou moins marcher que sur d'autres. Et par exemple, sur YouTube, on a créé un format exprès pour YouTube qui est un format de décryptage. Donc là, c'est de la vidéo qui est beaucoup plus longue, où on prend le temps, par exemple, d'interviewer... un sociologue, un historien, un scientifique, pour avoir plein de grilles d'analyse différentes. Donc, voilà, je ne sais plus très bien où je voulais en venir. Encore une fois, c'est une question de d'adaptation à chaque fois. Ok, merci. Alors, une question pour Michel. Est-ce que selon vous, il vaut mieux passer par un financement participatif et diffuser sur YouTube, ou est-ce que vous pensez qu'il vaut mieux passer par une boîte de production plus classique pour une diffusion télé? Si je comprends bien la question, c'est quelqu'un qui a un projet de film documentaire. J'admets,
Audrey, n'hésite pas. Oui, oui. Je n'ai pas vraiment un projet de film documentaire, mais la question s'était posée. Oui, j'avais été consultée, contactée pour être plus consultante sur un film documentaire. Et la question s'était posée du financement. Et du coup, le réalisateur en question, lui, ne voulait pas être diffusé sur YouTube, même s'il reconnaissait qu'en fait, sur un financement participatif de documentaire, c'est possible d'être financé avec un financement participatif. Le problème, c'est que. Et en plus, on est beaucoup plus vu sur YouTube. Mais qu'en Bien fait, sûr. il y a une plus grosse légitimité sur. Enfin, c'est ce que je comprenais sur Tout à être fait. diffusé sur Arte ou être ou Tout à passé fait. sur France 2 ou des trucs comme ça. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas sûr d'être. Complètement d'avoir complètement la main sur sur son produit quoi parce que voilà et du coup c'est plus par curiosité parce que c'est pas enfin Bah, en voilà. fait, merci, question super intéressante parce que c'est compliqué comme dans tout. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en tant que réalisateur, on a deux intérêts principaux, quoi. Un, c'est de faire le film. Deux, c'est qu'il soit diffusé. Et du coup, des fois, donc, je pense que pour la vie d'un film, le mieux, c'est de passer par un producteur parce que le producteur a accès à les réseaux des diffuseurs, que ce soit les diffuseurs cinéma ou les diffuseurs télé, et qu'il faut donner cette chance à ce passage-là. Des fois, on a pour 10 projets qu'on propose, il y en a un qui passe, et c'est pas toujours, à moins d'être vraiment une usine. Alors, il y a des réalisateurs qui sont des usines à travailler pour France 2, etc., quoi. Je parle vraiment pour des gens comme nous. Une fois qu'on a épuisé cette chance-là, du coup, ça devient super intéressant de quand même faire le film et donc d'avoir recours au financement participatif. Et à ce moment, en effet, une diffusion par festival, il faut donner quelques mois pour essayer d'être sélectionné dans les festivals. Et si ça marche, c'est super. Et même si ça marche, la diffusion sur YouTube devient en dernier, enfin, la dernière étape, quoi. Devient un bon moyen de montrer ce qu'on a fait. Mais je pense que vraiment. Et puis ça dépend aussi du rapport qu'on a à un producteur, etc. Mais je pense que c'est super important pour la vie des films, c'est d'impliquer le producteur depuis le départ. Et c'est lui qui s'occupe de cette stratégie, en fait. C'est pas le rôle du réal, en fait. Je sais pas si j'ai été clair dans ma réponse à Oui, toi. non, merci beaucoup et merci pour votre présentation que j'ai vraiment trouvée passionnante. Merci pour votre question. Alors, je lis une autre question encore pour toi, Michel. Au sujet du cinéma collaboratif ou participatif, s'adresse-t-il à toutes et tous, aux étudiants et étudiantes, est-ce payant? Alors, aussi, il y a plein de configurations possibles. Alors, j'ai fait des choses similaires dans des écoles, dans des universités. Bon, je travaille beaucoup dans les pays du Sud, quoi, donc Maroc, Algérie, etc. Donc, l'idée, c'était d'avoir des collaborations entre des étudiants en cinéma et des étudiants en sciences sociales. Donc, voilà, de recréer ce rapport-là, mais au niveau de l'affaire, au niveau de l'enquête. J'ai travaillé aussi dans des zones de la Tunisie où il n'y a pas d'école de cinéma, où il n'y a pas d'école de sciences sociales, avec des jeunes qui ont été formés aux médias dans la foulée de la Révolution. Et donc l'idée, c'était de leur dire, bah, en fait, vous savez faire des petites vidéos sur YouTube, mais derrière, en fait, vous pouvez avoir des modes d'expression encore plus élaborés pour parler de vos réalités sociales et puis de les diffuser au niveau des décideurs, que ce soit à l'échelle locale ou à l'échelle nationale. Ce qui est super important, c'est justement que les financements soient proposés par des bailleurs et pas par ce qu'on appelle les bénéficiaires. Les bénéficiaires doivent bénéficier de la formation et ça doit être soit les structures auxquelles ils sont rattachés, soit que ce soit un programme plus large, type européen, français, ministère des Affaires étrangères, je ne sais pas, enfin, il y a plein d'agences de coopération qui doivent financer ce genre de choses. Il est hors de question de demander à des participants de payer. Merci, c'est très, très intéressant. Alors, je partage aussi un rapport d'étonnement, un petit message. Je vais vous demander votre réaction, parce que moi, ça m'intéresse beaucoup aussi. Bonsoir, c'est très intéressant, mais je suis un peu déçue de constater que l'objectif du contenu passe un peu en arrière de la disponibilité du contenu. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire comme réflexion à tous les deux? J'avoue que je n'ai pas très bien compris la question. Alors, Le format voilà. influe plus sur le contenu. Ah oui, si je peux, non, non, si je peux préciser, Oui. ma question, c'est que
J'ai l'impression que c'est plutôt en rapport avec la première présentation de France Culture. Qu'en fait, vous diffusez ce que vous avez en magasin sur étagère sans trop sélectionner par rapport aux cibles. Et mettez un peu la même chose que sur Facebook, TikTok ou Instagram, alors que ce sont des publics extrêmement différents. Ah oui, mais ça, c'est tout à fait volontaire. Notre idée, c'est de diffuser du savoir pour tous. On ne va pas diffuser une partie de la connaissance pour les jeunes et une autre partie pour les plus âgés. L'idée, c'est qu'il y a du savoir, il y a de la connaissance, et nous, on essaie de la diffuser à tous. C'est notre mission aussi de service public. Et c'est juste que pour diffuser cette connaissance-là et ces savoirs-là, on utilise différents formats pour s'adapter le mieux possible au public. Mais je ne pense pas... Et bon, ça, c'est personnel, hein, mais je ne pense pas qu'il faille diffuser une information qui soit différente aux jeunes ou aux plus âgés. Comme je ne pense pas qu'il faut diffuser une information qui soit différente aux personnes membres de telle communauté ou de telle autre. Enfin, la base, quand même, qui fait, je pense, notre société aussi, c'est qu'on se base sur des faits et des connaissances communes et communes. Et quand ce n'est pas le cas, et malheureusement, ça arrive, on voit bien que c'est problématique aussi. Oui, mais vous avez une telle richesse à France Culture de produits qu'on pourrait imaginer que vous sélectionnez les mêmes pour en fonction d'objectifs un peu différents et que ce n'est pas le même que vous allez remettre partout, quoi. Voilà. Alors, il y a peut-être des questions de disponibilité humaine aussi. Alors juste, on pas est pas si nombreux, en fait. Voilà. On est trois et je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on est trois et on produit un travail quotidien sur différents réseaux sociaux. En fait, moi, je veux bien que si France Culture, si Radio France et si le budget de l'État nous donne plus et qu'on peut embaucher 5 personnes de plus, mais allons-y, on n'attend que ça, quoi. Mais là, on est là de travail, quoi. Donc, ce serait difficile de faire autrement. Michel, tu avais quelque chose, tu avais levé la main. Oui, c'était juste un peu dit, ouais, justement, bon, la question est super intéressante, c'est justement, évidemment, une partie de mon travail, là, c'est justement la diffusion de la connaissance, mais vraiment, ce dont je vous ai parlé, c'est vraiment cette idée de comment produire de la connaissance, justement, avec les instruments audiovisuels, quoi, et pas uniquement d'être dans une, voilà, c'était une petite nuance, et donc, c'est aussi trouver des formes, inventer des formes. Merci à tous les deux. Alors, une autre question pour tous les deux. Auriez-vous des logiciels gratuits à conseiller pour quelqu'un qui démarre dans la vidéo? DaVinci Resolve, c'est top. Tu nous l'écriras dans le chat avant qu'on coupe. Et alors, je transmets dans une des dernières questions. Parce qu'on va bientôt se quitter. Alors, question à Elsa, est-ce que ce n'est pas trop frustrant d'être dépendant des algorithmes des réseaux sociaux? Si oui, que faites-vous pour y remédier? Oui, c'est extrêmement frustrant. C'est extrêmement frustrant parce que des fois, on va passer énormément de temps sur une vidéo qu'on trouve... qui est bien faite, qui est pertinente, et en fait l'algorithme fait que ça ne marche pas. Alors la seule façon qu'on peut, qu'on essaye de remédier à ça, c'est en fait ça c'est pas vraiment mon travail, c'est plutôt le travail des community managers, c'est de connaître le mieux possible l'algorithme pour connaître tous les trucs et astuces qui vont faire qu'une vidéo va être diffusée le plus largement possible. Donc c'est à quel horaire on la diffuse, c'est qu'est-ce qu'on met juste après. Par exemple, si on diffuse une vidéo à 8h du matin, mais qu'il y a un autre post sur notre compte à 8h30, et ben, la vidéo va pas avoir le temps en fait, de démarrer. Et donc, du coup, il faudrait attendre en fait, dans l'idéal un peu plus pour que la vidéo mène sa vie le mieux sur Internet. Après, on est aussi victime de la censure sur Facebook. C'est un point... particulier, mais évidemment, on fait aussi des vidéos qui ont un trait à l'art, et donc au nu dans l'art, ou à l'érotisme dans l'art, et donc ça, c'est des vidéos qui
bizarrement, là, on a réussi à jouer avec l'algorithme, c'est que du coup, on sait que c'est censuré, donc on ne peut pas tout montrer. Donc, il y a certaines parties qui sont floutées, mais quand c'est des œuvres d'art, des fois, ça passe un petit peu. Et en fait, c'est des vidéos qui vont être très portées par l'algorithme dans certains pays où il y a peu d'accès à des œuvres érotiques en art, le Pakistan, en Turquie aussi et tout ça. Et donc, c'est des vidéos qui font plus de vues là-bas qu'en France. Donc ça, c'est une autre problématique. Mais c'est pour dire que oui, on est extrêmement dépendant des algorithmes. C'est extrêmement frustrant. Et notre solution, finalement, finale pour y contrer, c'est d'être présent sur plusieurs plateformes. Parce qu'il n'y a que comme ça, finalement, qu'on peut espérer avoir des formats, enfin, du contenu qui soit là de manière pérenne. Bien, merci beaucoup. Alors, je vais jouer la maîtresse du temps et clôturer ici les questions. Je me fais le relais de tous les remerciements qu'il y a eu dans le chat. C'était très, très intéressant. Merci beaucoup. Je vous rappelle à tous qu'il y a une prochaine séance en janvier. D'ici là, je vous souhaite une très bonne soirée et de bonnes fêtes. Merci beaucoup. Merci à toi, Claire. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tous d'avoir écouté. Merci, Sébastien. À très bientôt.